Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Cold War pour vous parler du nouvel événement donc, qui s'appelle Tourment, je sais pas comment on pourrait le dire. Donc spécial Halloween, donc c'est un événement avec 9 défis, donc vous pouvez faire ça en zombie, soit en Warzone ou également en multijoueur. Mais petit conseil, faites-le en zombie, c'est très facile, c'est plutôt facile. Donc pour faire des zombies, pour faire tous les défis zombies, il faut en particulier faire en mode contagion, donc mode de jeu contagion Halloween, tout simplement. Donc je vous parlais en détail donc des défis qu'il y a à faire et des petites astuces également. Donc jouer et terminer 5 parties en multijoueur ou zombies dans la sélection tourment, donc ça c'est pas compliqué hein. Ensuite, faites 200 éliminations en multijoueur ou détruisez des têtes de citrouilles en zombie. Donc des têtes de citrouilles, en fait, c'est comme si vous tirez dans la tête, hein, tout simplement. Donc c'est pas très compliqué, c'est les zombies. Les zombies ont des têtes de citrouille et vous suffit de tirer dans la tête et ça va être fait automatiquement ce défi. Ensuite, terminez dans le top 3 en mode match à mort, screen ou parvenez à vous infiltrer en mode contagion Halloween. C'est pas compliqué, il vous suffit de vous exfiltrer donc en zombie ou faire 3 parties dans le top 3, donc c'est plus facile en zombie bien évidemment. En fait, ensuite faites 30 éliminations en multijoueur dans infecté ou éliminer des ennemis spéciaux ou d'élite en zombie, donc ça c'est pas compliqué non plus. Donc ennemis spéciaux ou élite en zombie, c'est assez simple, pas besoin de vous expliquer ce qu'il faut faire. Ensuite faites 10 éliminations avec des armes à corps à corps en multijoueur ou obtenez des médailles bouchées en zombie, donc 5 éliminations rapides au corps à corps, donc ça c'est pas compliqué, 5 éliminations rapides au corps à corps. Voilà, ça c'est pareil, hein. Vous attendez que les zombies spawnent et puis vous tournez autour et puis vous attendez qu'il y a 5 zombies, puis bam, vous les tuez, hein, tout simplement, c'est pas compliqué. Ensuite, ouvrez un colis effrayant en multijoueur ou en zombie. Donc le colis effrayant, c'était un peu chiant trouver, on va pas se mentir, donc on l'a trouvé en contagion bien évidemment. Donc de toute façon je mettrai une petite image donc à quoi ressemble le colis effrayant. Donc c'est assez chiant à trouver dans les maps zombies, mais on peut en trouver, on a aussi en trouvé deux dans la même partie. Donc est-ce qu'on pourra en trouver d'autres, je sais pas. Donc on en a trouvé deux pour l'instant et les colis ne sautent pas au même endroit chaque fois, donc c'est un peu chiant. Donc faut fouiller partout dans la map pour pouvoir trouver le colis. Petit bémol, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que le colis n'est pas très effrayant, on va dire, parce que quand vous ouvrez ça fait rien du tout et dans les boîtes bah, vous avez pas grand chose qui peut intéresser. Voilà, donc ça de toute façon je vous mettrai une photo de à quoi ça ressemble. Ensuite vous croyez au fantôme, donc faites 50 éliminations en utilisant la tour fantôme en multijoueur ou couverture d'éther, donc ça c'est pas compliqué, la couverture d'éther, c'est marqué, hein, c'est très facile. Ensuite, obtenez des médailles carnage en zombie, donc 10 éliminations rapides, donc ça c'est un peu comme la technique avec le couteau. Vous attendez que maximum de zombies spawn, vous tournez, etc. Et là vous tuez tous les zombies qui se trouvent à côté, donc c'est assez simple également, hein, très facile. Et le dernier défi, donc jouer avec le feu, donc faire des dégâts avec du feu ou élimination multiple avec dégâts de feu, donc que ce soit cocktail molotov, lance-flamme, etc. Donc ça c'est pareil, il vous suffit de faire des multiples, et je crois que c'est multiple, je crois que c'est à partir de 4 ou 5 à peu près. Donc là c'est pareil, hein. Moi ce que je faisais, c'est une technique, c'est que quand vous partez vous exfiltrer, il y a énormément de zombies qui spawnent, bah c'est pareil, vous tournez, puis vous jetez vos cocktails molotov, et puis ça va se faire au fur et à mesure. Et du coup vous obtenez la nouvelle arme, donc la mitraillette Lapa. Donc si elle veut bien me le montrer, voilà, donc ça ressemble à ceci, hein. Donc je l'ai pas encore testé, donc je sais pas si elle est très efficace ou pas. Je testerai ça très prochainement. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou d'autres suggestions, n'oubliez pas de les dire dans les commentaires et puis je vous dirai avec plaisir. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye les gens.